Eh bien, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis accompagné de Dylan. Ben là, je vous montrerai les naissances que j'ai eues hier. Et après, des nouvelles arrivant. Il y en a pour moi, il y en a pour Dylan. Et après, un petit tour de l'élevage, on va donner à manger. Voilà. Et ce qu'on a fait aussi pour les Pékins. Voilà. Donc il y en a 7. Oui, et il y en a un qui va sortir. Donc il y a 4 noirs, 2 gris perles et un caillouté. Voilà. Ah ben ça c'est le caillouté. Voilà. Voilà. Donc ça c'était les petits. On va montrer un dernier gris. Voilà. Et il en reste un gris encore. Donc voilà, c'était les petits poussins. Donc on passe au reste. Donc voilà, là il y a les oisons. Ils ont grandi hein, depuis. Ils sont habitués par contre. Allez. Petit, petit. Jette-leur un peu de blé si tu le vois. Oh, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'était les oisons. Donc, là, on se retrouve à les poules comme d'habitude. Donc, si vous voyez, il y a plein de petites poules un peu abîmées. Comme ça, c'est Dylan qui les a achetées sur le marché. Elles ont un an et demi, c'est des poules de réforme. Hein. Il les a sauvées parce que elles étaient toutes dans un élevage intensif. Donc il en a acheté 8. Voilà. Et vraiment, elles pondent déjà. Enfin, elles pondent. Dès les premières minutes, elles étaient déjà parties au pondoir. Voilà. Hein. Et après, il me reste. Ah oui, j'ai acheté. Une caille, fait un mâle, il est là-bas. On va pas trop le voir. Qui m'en fera 4 pour les femelles. Et j'ai acheté aussi un autre truc, mais je sais pas où il est passé. Il était par là il y a 5 secondes. Ah oui, là. Un canard de barbarie. Mais il est vraiment sauvage, lui. Et il fait sa vie, je l'ai lâché, là. Il grandira comme il voudra. Je vais pas acheter très cher. Bon, voilà. Et après, dernière chose, j'ai acheté une pentade. Bon, si vous me demandez pourquoi, ben, j'en sais rien comme ça pour le plaisir. Elle est toute jeune, hein, la pentade. Voilà. Donc on va passer, qu'on est en train de faire, hop, pardon pour le zoom, des parcs de reproduction pour les Pékins. Bon, je vais aller de par dehors. Ça sera plus beau à montrer. Pour l'instant, j'ai 2 parcs. Et il faut que je les ferme avec du petit grillage parce que les poulets passent. Et j'ai un nouveau coq, c'est un coq frisé noir. Voilà. C'est Dylan qui me l'a vendu, 5 euros. Et voilà. Hop. Et là, on est en train de faire le dernier parc.
ici, ça sera pour les chocolats, les poules chocolat avec ce coq là. Voilà. Et il reste les oies. Et juste, j'ai une dernière poule qui court encore. C'est celle-ci. La frisée cailloutée. Voilà. On se retrouve pour le reste si j'ai quelque chose à vous montrer. Donc là, c'est les poules à mon frère. Ils ont fait le. Et le coq, elle a fait son premier œuf hier. Bon, il était tout content, hein. Il sautait comme une puce. Et après, il reste les petits furets. Bon, là, j'en ai un de plus, c'est celui à Dylan. C'est le mâle, c'était pour reproduire. Et c'est bon, normalement, elle est pleine. Et, j'avais une voleuse de graines. Bon, j'ai une chocolat qui couvre encore. Voilà. Et j'ai celle-là. Une petite poule rousse. Je l'ai à peine attrapé, c'est classique. Ah, ben oui, mais c'est. C'est mes couilles. Malformation de la coquille. C'est mes couilles, c'est voilà, ça c'est. Ça m'arrive des fois. Mais ça, c'est les poules de réforme, là. Ouais. C'est la coquille qui a été mal faite. On va le donner au furet. Donc voilà. On l'a donné. Ils le mangeront s'ils voudront. Bon, ça, de toute façon, c'est que du. C'est même pas de la coquille. Hein. C'est une poche. Hein. Allez, voilà. Donc voilà, c'était Pekin Chic, c'est Dylan. Enfin, Anthony et Dylan. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos. L'avancée des poussins. Et si j'avais d'autres poussins qui sortent, eh bien, je referai une vidéo. Voilà. Allez, bye tout le monde. Bien sûr, pour le dernier mot, c'était Pekin Chic.